Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous emmener faire un tour euh, complet du terrain, vous montrer euh, toutes les lignes de culture et puis essayer de vous expliquer un petit peu eh bien les techniques que j'utilise euh, pour cultiver. Allez, c'est parti. Alors sur la toute première ligne, euh, on a du chou kale. Donc euh, là, j'en ai repiqué euh, sur deux lignes, j'en ai à peu près euh, 60. Donc euh, pareil là ce que je fais en fait c'est que j'ai juste tondu cette zone ensuite euh, je suis venu mettre à peu près 20 30 cm de tonte j'ai laissé euh, monter en température comme ça ça a grillé tout ce qu'il y a dessous et puis euh, quand je commence à voir que de l'herbe repasse au travers je sais que c'est plus euh, trop chaud et donc je peux commencer à venir repiquer euh, mes, mes plants directement dedans donc euh, ce que je fais après c'est que j'ouvre légèrement la tonte je viens mettre un peu de terre je mets mes plants euh, dedans et puis après ça se débrouille euh, moi, j'ai aucun souci à utiliser énormément de tonde sur des grosses épaisseurs. Je trouve que ça fonctionne super bien. Euh, mes plants, ils reprennent super bien dedans. Ça garde énormément d'humidité. Mon sol, il reste humide même si euh, bah là, pendant trois semaines, on n'avait pas eu de pluie et mon sol, il restait super humide en dessous. Donc, euh, bah vous allez voir hein, sur la totalité de, du, du jardin ici, euh, j'ai jamais arrosé. Et, euh, et euh, tout euh, pousse correctement. Alors là, ces derniers jours, on a eu des belles pluies. Donc, euh, donc bah, ça a tout euh, aidé. Mais euh, sans, sans arroser pour l'instant, c'était bon. Alors, bien entendu, ça ne tiendra pas euh, tout l'été comme ça. Mais, euh, mais voilà, moi je suis un fan de la tonte. Euh, j'en récupère des quantités astronomiques parce que c'est le, le village qui me dépose tout euh, directement sur le terrain. Euh, donc, euh, donc j'en profite. Ça me permet de, de couvrir toutes mes zones, ça me permet de faire absolument aucun travail du sol. J'ai juste à rouler des brouettes de tonte, à venir les déposer en ligne. Donc, toutes les lignes euh, bah, qui sont ici et puis toutes celles qui sont là, on les avait fait euh, ensemble avec Lulu pour la plupart. Euh, en général, ce que je fais, c'est que moi, je fais les allers-retours avec la brouette. Et puis, euh, Lulu, bah, elle met tout en place euh, pour faire des lignes, euh, des lignes bien droites. Donc, euh, donc voilà, donc à peu près tout le jardin, c'est cette technique qui est utilisée. On charge un maximum avec de la tonte, ensuite on ajoute de la paille par-dessus. Et puis petit à petit, quand on voit que l'herbe commence à ressortir, plutôt que passer du temps à désherber, eh bien nous on préfère la technique d'enherber de, en fait. Donc on va rechercher de la tonte et on remet encore une couche de tonte par-dessus. Et ça on a remarqué pareil, bah, que, euh, que ça fonctionnait très bien. Pour une chose parce que euh, en fait quand on vient déposer la tente donc même si elle a commencé à fermenter ou quoi que ce soit la couche qui est au dessus et eh bien euh, avec le soleil etc là elle sèche et donc elle devient euh, plutôt foin donc euh, plutôt matière carbonée et quand au-dessus de ça je viens rajouter de la tente verte donc plutôt azotée. Euh, ça me permet plus ou moins de créer des couches euh, en lasagne et eh bien juste avec de la tente euh, parce que voilà là par exemple elle est sèche, c'est du foin, il n'y a pas de problème, ça, ça pourrit pas. Par contre si on va dessous ici eh ben, on a euh, beaucoup d'humidité, elle est en train de se dégrader, euh, elle a passé le coup de fermentation et là ça sent plus rien quoi, il n'y a pas de problème. Et par contre, c'est hyper humide, ça garde beaucoup l'humidité. Donc, moi, la tonte, j'en ai, et eh bien j'en profite et n'hésite pas à en mettre des grosses épaisseurs. Bien entendu, on ne met pas euh, directement euh, 20 cm et puis on vient foutre un chou dedans parce que, euh, avec la chaleur que la tonte va dégager, automatiquement votre plant il va cramer. Par contre, si vous attendez un peu, eh ben, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très très bien. Sur la ligne à côté, on a euh, des petits marrons, donc tous les deux mètres, il y a un petit marron. Et entre, euh, je suis venu mettre euh, des plants de courgettes. Donc en gros, petit marron, courgette, petit marron, courgette, etc., etc., jusqu'au bout euh, de la ligne comme ça. Donc pareil, ben, ça pousse super bien. Euh, des courgettes, il y en a déjà plein partout. Là. Donc euh, bah, qui, pff, qui est presque prête à ramasser. J'aime bien les ramasser quand elles sont petites. Il euh, y en a sur euh, chaque plan. Hein. Chaque plan est en train de donner des courgettes. On en ramasse déjà. C'est pareil pour les petits marrons. Les ah, petits marrons, ils ne sont pas du tout prêts à ramasser. Mais euh, il mais y en a partout. Voilà, les petits petits marrons. Et, euh, et voilà. Donc euh, là, je fais de la culture en plein champ. Donc pareil, les petits marrons, je ne les limite pas. Euh, si le pied il va emporter euh, 10-15, je, je, je le laisse se débrouiller. Ça ne me pose pas de problème. Et puis bah, pareil, ici, euh, régulièrement, je viens rajouter de la matière. Alors ce que j'aime bien faire sur tout ce qui est euh, plan de courge, courgette, euh, tout ce qui est chou. Tomates, etc. C'est venir mettre du crottin au pied. Étant donné que j'arrose pas, il faut absolument que je trouve des techniques pour euh, garder de l'humidité. Donc le paillage, c'en est une, hein, avec la tonte, avec la paille. Et ce que je fais aussi, c'est que euh, souvent je dégage autour du pied et je viens ajouter euh, une bonne pelle de crottin et par dessus je remets de la tonte. Et comme ça, bah, ça me permet de garder beaucoup d'humidité. Et en plus de l'humidité, ça me permet de, de faire un bel apport au niveau des nutriments pour permettre à mes plantes bien pousser. Donc ben là, c'est en train de se développer. Alors petit à petit, les pieds de potimarron, ben, ils sont en train de sortir. Et puis ils vont aller euh, courir dans les allées. Donc souvent, je les, je les ramène, j'essaie de les diriger. Mais bon, après, il euh, y a un moment où ce sera plus possible parce que quand ça commence vraiment à, à pousser, après, il faut, faut laisser faire. Donc euh, ben, je laisse faire. Ici, je viens de planter euh, deux rangs de haricots verts. Donc euh, là, pareil, à la base, il y a une première couche de tonte. Quand je vois que l'herbe ressort, j'enlève euh, tout sur la ligne pour mettre propre. Je viens remettre une couche d'herbe et puis après, je suis venu faire deux rangs avec euh, de la terre que je sors ben, soit en creusant des mares, soit euh, là en ce moment en creusant des fondations. Toute la terre végétale, la terre du, du dessus, je la garde toujours de côté. Et là, je suis venu faire euh, deux lignes. Ensuite, j'ai creusé un petit sillon dedans. Je suis venu mettre mes haricots et je suis venu recouvrir. Donc, après, mes haricots, quand ils vont pousser, bah, ils viendront euh, traverser la couche de tonte qui est euh, super humide en dessous et puis qui est déjà en train de se dégrader. Et puis, ils iront chercher euh, le vrai sol. Donc, euh, voilà. Ça, euh, c'est la première fois que j'utilise la technique comme ça, disons à cette échelle. Donc on verra euh, ce que ça dit, mais je n'ai pas trop de doutes sur le fait que, que ça fonctionne. En tous les cas, les haricots là ils sont déjà euh, en train de germer parce que j'ai vérifié, parce que c'est mes semences. Donc souvent euh, je viens vérifier euh, sur les bouts de rang, voir si, euh, si elles germent bien, si la germination est bonne. Là, il n'y a aucun souci. Donc, euh, je pense, d'ici deux, trois jours, bah, broup, les deux rangs, ils commenceront à être verts. Et puis là, euh, j'ai commencé... Bah, du coup, euh, j'ai redésherbé cette zone qui avait déjà été enherbée une fois. Et je suis revenu mettre une couche de tonte par-dessus. Donc, ça donne ça, quand je viens de mettre la deuxième couche de tonte. Et ensuite, là-dedans, je vais venir faire pareil. Deux lignes juste sur, le, sur la tonte avec euh, de la terre. Et puis, je vais venir replanter euh, des haricots. Donc là, euh, à peu près... Euh, ça fait à peu près deux rangs de, de 20 mètres chacun de haricots en plus donc là ce sera du, du haricot vert pareil des semences euh, que j'avais fait euh, l'année dernière ici on a une ligne de fruitiers donc il euh, y a un pommier un prunier qui est en demi-tige un nectarine et puis euh, un poirier et ensuite entre ces arbres fruitiers, il y a de la vigne. Donc, euh, il y a de la vigne ici et il y a de la vigne ici. En tout, j'en avais planté 16 des vignes et les 16 ont démarré et en plus, elles sont plutôt jolies. Sur ce rang, on a euh, des batacardes. Donc, euh, bah là, elles sont encore euh, un peu petites. Euh, mais, euh, mais bon. Ça, 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 ça démarre quand même. Elles ont eu un petit peu de mal, mais, euh, mais voilà. Bon, toujours pareil, c'est sans eau, donc euh, c'est pas, euh, pas toujours évident. Là, on a euh, du chou donc, euh, de Bruxelles, et puis en alternance, euh, des fois, on a du, du chou-fleur. Donc là, c'est pareil, euh, ça va jusqu'au bout. Pff, je sais pas combien il y en a, j'ai arrêté de les compter tellement j'en ai mis. Et, euh, et voilà, là c'est pareil, bah, c'était la même technique. Hein. On a couvert avec de la, de la tonte toute la zone, donc tonte et paille sur cette zone. Et puis ensuite, moi je viens simplement euh, avec la main, je viens ouvrir des trous euh, comme ça pour aller chercher un peu le vrai sol. Bah, là on peut voir, Pff, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais voilà, là la paille elle est ultra humide, elle est en train de se dégrader, donc j'ouvre. Ce que j'appelle des petits coffrages, je fais comme ça. Ces petits coffrages, je les remplis euh, avec de la terre, parfois avec un mélange de terre et de compost. Et puis, je viens impliquer directement mon chou là-dedans, en faisant attention que les racines, elles aillent toucher le, le vrai sol dessous. Et puis, euh, une fois que ça s'est fait, eh ben, je viens mettre de la tonte autour. Donc, euh, pas beaucoup de tonte pour pas cramer mon plein. Et petit à petit, je viens euh, combler le, le coffrage avec du crottin, avec encore de la tonte, etc. Donc en gros, euh, si je vous montre là, par exemple là j'ai de, de la tonte et si j'enlève la couche de tonte, juste dessous là j'ai du crottin. Voilà, crottin de cheval. Donc euh, c'est juste du crottin, il hein. n'y a pas l'urine, il n'y a pas la paille, donc ça sent rien. Hein. C'est En fait c'est de l'herbe, hein, rien de plus. Mais c'est très humide, c'est très très humide et si en plus on vient recouvrir par-dessus... Et eh ben on conserve cette humidité donc là euh, ça me permet d'avoir le sol qui est toujours bien humide sans arrosage donc ça ça fonctionne Et ici on a les vignes donc euh, les vignes elles se font vraiment plaisir elles ont bien poussé euh, sur toute la longueur comme ça juste à côté on a les pommes de terre hop donc pareil les pommes de terre elles ont commencé à à faire des fleurs alors les pommes de terre ici je m'en occupe pas du tout donc comme je vous avais expliqué pareil je tonds la zone je viens poser des lignes de pommes de terre je couvre avec de la tente de la paille et je laisse se débrouiller donc il y a plein de choses qui poussent dedans il y, y a plein de trucs il hein. y a un peu de rumex il y a du plantain euh, mais je laisse tout j'ai fait plusieurs tests sur tout le terrain pour la pomme de terre et puis après je verrai au niveau des rendements encore une fois euh, C'est la première année que je cultive sur ce terrain. C'est la première année que je mets les choses en place. Donc euh, ben, forcément, pour l'instant, je suis obligé de faire plein de tests pour essayer de voir euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Euh, S'il y a des endroits, il faut que j'arrive à rajouter plus de matière, etc. etc. Donc ça ne va pas se faire en, en, en un an hein, automatiquement. Il va falloir plusieurs années pour, euh, pour enrichir le sol, pour, euh, pour l'aider. Mais euh, voilà, pour l'instant, je fais comme ça. Alors de temps en temps, je viens ouvrir la paille pour regarder euh, si ça pousse. Et il euh, y a déjà plein de petites pommes de terre qui sont en train de pousser. Donc je devrais au moins réussir à récolter la, la quantité que, que j'ai planté. C'est au moins l'objectif. Euh, j'ai planté en tout, j'ai dû planter à peu près 75 kg de pommes de terre. Bah, l'objectif c'est d'en récupérer au moins autant. Mais je pense que j'en récupérerai euh, bien plus. Sur la ligne ici, bah, on a... Euh, des fruitiers et puis euh, des courgettes donc bah pareil les courgettes c'est euh, toujours la même chose là hop ça pousse euh, ça pousse nickel donc euh, moi les courgettes c'est pareil tous les matins je viens quand j'arrive sur le terrain, euh, je fais un petit tour des cultures pour vérifier que tout va bien. Et puis euh, souvent, surtout quand il ne fait pas très beau et pas encore très chaud, si je vois que j'ai des fleurs euh, des fleurs mâles et des fleurs femelles, j'aime bien venir mettre mon doigt dans les fleurs mâles et puis après euh, venir mettre le doigt dans les fleurs femelles, histoire de, bah, de polliniser un peu, euh, un peu mes courgettes, d'être sûr qu'elles qu ne vont pas avorter. Donc voilà pour cette ligne, petit plan de courgette. Là on a toujours la mare. Donc euh, là où on a eu un peu de pluie. Alors elle s'est remplie. Voilà, elle n'est pas, pas pleine à rabord. Mais ça ça me permet au moins quand je repique les plans, etc. Plutôt qu'aller prendre de l'eau dans les cuves. Vu que les mares se vident très vite, je viens directement chercher l'eau avec mon arrosoir dedans et je me sers de cette eau euh, quand je repique des plans. Et comme ça, je garde de l'eau à l'intérieur de mes cuves qui, elles, ne vont pas se vider toutes seules en été. Et ça, c'est ma sécurité pour pouvoir arroser les arbres si j'ai besoin. Ici, on avait la couche chaude. Donc, euh, du coup, bah, dedans, j'ai planté, euh, planté plein de choses vu que je n'avais pas réussi à, à utiliser la couche chaude correctement. Euh, on a du melon au pied, là, sur l'avant. Donc, exposition euh, plein sud. Et puis euh, derrière on a un rang de, de tomates. Donc bah, les tomates elles poussent bien. Je ne sais pas si on va les voir. Ouais il y en a il y en a plein ici là. Il y a des belles grappes, il enfin, y, y en a partout, ça pousse partout. Donc il y a 6 euh, pieds, pieds de tomates. Et juste derrière on a euh, des pieds de, de courgettes. Donc là c'est pareil, bah, les courgettes... Euh, il y, en a, il y en a partout, il y en a là, il y en a là, il y en a par ici. Donc, ça c'est pareil, c'est notre fils qui s'occupe de ramasser ça. Le midi, on mange ensemble sur le terrain, et, et du coup, c'est lui qui fait tout le tour du, du potager. Moi, je suis avec la cagette, et puis il ramasse, il pose dedans. Donc, j'ai interdiction de les ramasser. Euh, voilà, c'est lui qui s'en occupe. Et là-dedans, ça pousse super bien. Donc comme je vous avais dit, couche chaude, il y avait crottin, il y avait de la tonte, il y avait de la paille, il y avait plusieurs épaisseurs de tout ça, un peu de compost. Et là, il y a beaucoup de profondeur. Il y a à peu près 30 cm de profondeur avant d'être sur le vrai sol. Et ça reste humide, c'est incroyable, comme c'est dessous. Et donc là, vraiment, je pense que ça peut rester tout l'été comme ça, sans, sans être arrosé je pense que juste les pluies qu'on aura en été si, si on en a, hein, on croise les doigts mais je pense que ce sera suffisant et que cette zone, en tous les cas j'ai envie de la laisser comme ça et de pas m'en occuper pour l'instant ça, ça pousse super bien ici toujours pareil donc on a des fruitiers donc là on a du cerisier, du poirier et un cognassier et puis entre je suis venu mettre des courges butternut donc bah pareil ça pousse tranquillement Ici, on a des cassissiers. Encore du butternut. Cassissiers. Là, il y a quelques melons. Mais bon, les melons, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Bon, bah là, ils démarrent, mais ils sont un peu, ils sont un peu petits quand même. Et puis, encore des, des cassissiers ici et ici. Là, on avait la zone euh, chou. Donc, ici, on a une ligne de chou rave. Et puis, ici, on a une ligne de chou de Bruxelles. Et ce que j'ai fait, entre les choux de Bruxelles, je suis venu mettre euh, du haricot. Donc là, comme je vous disais, c'est la technique euh, haricot où je, je viens ouvrir un petit coffrage dans la tente. Je mets un peu de terre, je mets mes haricots dedans, j'arrose un coup, et puis après, je laisse, euh, je laisse se débrouiller. Donc c'est une technique qui fonctionne super bien, hein, il, y en a, il y en a tout le long, mais c'est plus long quand même que la nouvelle technique que j'essaye en faisant euh, une ligne de terre. Et puis entre ces deux rangs de choux on a euh, un rang de, de concombre. Donc voilà. Bah là c'est pareil, ça pousse super bien. Donc pareil, petit à petit, euh, quand les, les choux de Bruxelles ils poussent, eh bien, euh, les coffrages que j'avais fait dans la tonte, je viens les remplir avec du crottin, je remets une couche de tonte. je laisse le temps euh, à tout ça d'être un, un peu digéré, et puis je recommence jusqu'à remplir mon coffrage. Et ça, bah, ça me permet de, de garder l'humidité et d'être bien. Là, on a les premiers petits choux de Bruxelles qui sont en train d'apparaître. Donc euh, voilà, ils sont juste là, ils sont en train de se former. Alors je sais que normalement, les choux de Bruxelles, il faut euh, éviter de leur mettre trop de matière, par exemple, azotée, si on veut que les choux restent fermes. Parce sinon ils vont avoir une tendance à s'ouvrir, à s'éclater. Moi là, je suis quand même obligé de venir mettre de la matière ben, simplement pour euh, arriver à préserver de l'humidité. Euh, comme je vous disais, je ne peux pas me permettre d'arroser. On n'est pas relié à l'eau ici. Euh, pour l'instant, j'ai pas euh, suffisamment de surface de toiture et euh, suffisamment de, de cuves pour stocker assez d'eau. Donc, je suis obligé de trouver des alternatives. Donc, ben, c'est pas grave, même si mes choux ils sont un peu ouverts, euh, ça, ça nous empêchera pas de les manger. Et puis, en boudrant ici, eh bien euh, je vous avais pas montré sur les autres lignes, j'ai fait pareil. J'ai euh, des pieds de consoude et puis j'ai de l'absinthe. Et le but après, c'est euh, tous les bouts de, de lignes comme ça, c'est de venir les, en faire des zones, euh, des zones fleuries. Là, on est encore sur une ligne de fruitiers et puis euh, entre les fruitiers je suis venu mettre des tomates et entre les tomates je suis venu mettre des courgettes donc euh, ça c'est pareil c'est toujours le, le même truc hein. moi j'essaie de charger au maximum les buts que je crée j'essaie de les remplir de façon à ce qu'il y ait euh, le moins de choses qui poussent dedans les choses que j'ai pas envie d'avoir euh, tous les adventices que j'ai pas envie de, de voir pour éviter qu'ils poussent et eh bien je remplis mes buts au maximum et vu que mes buts, elles sont vraiment euh, bah, chargées en, en paille, en tonte, etc. Elles sont relativement riches, même si là c'est la première année qu'elles qu sont en place, mais elles sont suffisamment riches pour supporter euh, toutes ces plantations. Donc, euh, donc voilà, j'y je, 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 vais quoi. J'hésite pas à vraiment euh, venir mettre des choses. Euh, là, j'ai un aronia euh, viking. Et puis là, j'ai des petits myrtillets en plus. Et ensuite, bah voilà, plein de tomates, plein de courgettes, plein de tomates, plein de courgettes, etc., etc. Là, j'ai un myrtillier encore. Voilà, et plein de tomates bah, qui poussent très bien. Hein. Donc, euh, bah pareil, cette année, du coup, j'ai fait le choix de les tutorer Et puis, j'ai fait le choix aussi d'enlever de, les gourmands, ce que je ne fais pas euh, toujours habituellement. Mais là dans un souci de je ne peux pas arroser et je veux quand même essayer d'avoir un peu de rendement. Et bien je viens enlever les gourmands et puis euh, j'enlève un peu les feuilles sur le bas de façon à ce que les plants ne sèchent pas trop. Voilà. Euh, parce que le but c'est quand même de, de, de produire un, un minimum. Et puis là j'ai un des seuls arbres qui, qui est mort sur les sangs que j'ai plantés. C'est le prunier quetch. Lui il n'a il a pas pris, il est, il est mort. Et puis avec les noirs, euh, j'ai un cerisier aussi qui est mort. Mais sinon tout le reste pousse très bien. Donc c'est cool. Là, bah, toujours la pergola et j'ai pas eu le temps de la finir. Et en plus en ce moment c'est un petit peu compliqué avec le bois. Là on a toujours le poulailler, pareil, j'ai pas eu le temps de le finir. Par contre, j'ai eu le temps de finir l'enclos. Et puis on a... Euh, deux petites pouliches qui sont dedans donc euh, bah voilà ça c'est mon c'est mon apport de crottin. en plus elles sont plutôt cool parce que euh, elles me font euh, des tas de crottin euh, ici là dans l'angle donc euh, c'est facile à ramasser et ensuite euh, avec ma brouette j'ai juste à passer dans les allées à mettre ça au, au pied des tomates euh, bah de à peu près tous les plans que j'ai et, euh, et ça va bien ici on avait encore euh, tout Un rang de pommes de terre, et puis juste à côté, une ligne de fruitiers. Donc euh, là, on a un cerisier, un pommier, un poirier en demi-tige, et euh, entre ces arbres, on a des myrtillés. Et du coup, entre tout ça, et eh bien je suis venu mettre euh, des pieds de tomates. Donc euh, là, il y en a partout ici. Donc pareil, ils sont, ils sont déjà bien chargés en tomates. Et puis on a euh, les myrtilles. Donc euh, bah, celui-ci, par exemple, il était rempli de myrtilles. Et en ce moment, j'ai énormément de corbeaux qui passent sur le terrain et qui mangent tout ça. Donc euh, c'est pas très grave. Par contre, euh, <laughs> notre fils il est un petit peu plus, euh, un peu plus triste parce qu'il adore les myrtilles. Et euh, là, j'en ai quand même quelques-unes que les corbeaux n'ont pas encore vues. Donc euh, bah, j'espère qu'elles vont qu'elles vont mûrir avant qu'ils les voient et qu'on pourra les goûter et puis ici j'ai euh, des poivrons mais bon les poivrons c'est toujours pareil euh, j'ai un peu de mal avec les poivrons j'arrive pas bien à, à faire des, des jolis poivrons alors ici on a une nouvelle zone j'ai mis en place ce matin donc euh, bah voilà juste euh, de la tonte environ 20 cm d'épaisseur ensuite je vais venir pailler et euh, cette zone elle va être 100% dédiée euh, aux fleurs donc je vais uniquement planter euh, des fleurs euh, sur cette zone des choses euh, mellifères le plus possible donc euh, pas euh, automatiquement des choses qu'on peut manger juste à côté ici on a des bacs avec euh, de la pomme de terre donc euh, pareil là c'était pommes de terre avec euh, crottin et paille donc ça pousse tranquillement ben, c'est pareil c'est en fleurs voilà donc ça commence à produire dessous euh, l'avantage c'est que euh, après quand je vais venir récolter les pommes de terre ben, dessous le sol il est déjà euh, il, il est vraiment déjà assoupli et donc c'est relativement euh, simple à travailler et euh, l'année prochaine ben, je pourrais planter des choses un peu plus fines dedans Fermer Smith de carottes, etc. Sans avoir besoin de venir faire un, un apport avec de la terre, du compost, d'affiner tout ça. Là, la pomme de terre, elle va avoir fait le, le travail elle-même. Euh, sinon, le crispy, bah quand même, faut il faut qu'il vous dise bonjour. Oui. Tu dis bonjour Voilà. <laughs> Lui, il est, il est tranquille ici. Alors, il est super content depuis que les pouliches sont là. Parce qu'il a l'impression euh, que ce sont ses, ses copines. Et puis sinon, bah, il passe sa journée euh, à dormir et, et à courir. Et puis à venir réclamer des gratouilles. Voilà. Donc ici, on a toujours l'abri. J'avais dit qu'il serait euh, bardé. Et bien euh, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est super compliqué pour trouver du bois. Donc là je viens enfin de ramener une palette de, de planches et je vais donc pouvoir euh, m'occuper de le barder. Donc euh, lui je le barde pas entièrement, je le barde juste euh, sur les deux murs, ici et ici, et je le laisse ouvert devant. Euh, voilà, ce sera un petit, un petit endroit euh, pour, euh, pour l'été. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Là j'ai créé des nouvelles zones autour euh, bah, du rond-point. Donc euh, pareil, ça, ça va être des zones où je vais venir euh, juste planter euh, des petits arbres et arbustes pour euh, créer des coupes vent en fait, pour protéger un peu euh, tout, tout le reste de cette zone. Et puis, j'ai aussi euh, créé des nouvelles zones ici, entre euh, chaque bac euh, de, de culture. Et ces zones-là, elles vont être dédiées, pareil, uniquement à mettre euh, des, des fleurs, à mettre euh, des aromatiques, etc. etc. Donc pour essayer, bah parce que là c'est beau, c'est vert, mais, euh, mais il manque quand même un petit peu de, de couleur, un peu de fleurs, etc. Donc euh, c'est le but de ces petits. Euh, pff, moi j'appelle ça des parts de gâteau. Euh, je trouve que ça y ressemble vraiment. Ou alors euh, les camemberts du Trivial Poursuite. C'est un peu pareil, mais bon ici on a euh, de la pomme de terre donc on en a ici aussi on en a ici, je ne vous avais pas montré mais on en a dans tous les bacs là et puis pareil, bah, la même zone que celle que j'ai fait euh, juste avant, ici j'ai recréé une autre zone donc qui va être entièrement euh, plantée avec euh, des fleurs beaucoup de lavande sur le, sur le milieu donc une ligne de lavande certainement et après euh, plein de fleurs qui vont partir euh, partout et puis pareil, euh, lui quand il va être bardé, ben, j'aimerais bien faire pousser euh, peut-être des rosiers ou des choses comme ça en grimpant euh, sur, sur le mur. Donc euh, voilà, mais bon, parce que souvent vous me faites la remarque qu'il n'y qu a pas de fleurs, que, mais, euh, mais je ne peux pas tout faire en, en même temps, en fait, c'est juste pas possible. Euh, ça fait déjà énormément de travail de gérer tout ça euh, ben, tout seul la plupart du temps. Euh, de temps en temps, quand même, Lulu, elle vient me donner un coup de main quand il y a des gros coups de bourre, parce que parce que sinon, ça serait pas gérable. Mais euh, mais voilà, déjà, je peux pas euh, tout planter en une fois parce que, pareil, financièrement, euh, c'est pas viable. Donc, petit à petit, on essaie de, de récupérer des fleurs, des choses à droite, à gauche. Mais euh, mais voilà, ça, ça se fait petit à petit. Faut pas oublier que le terrain là, ça fait juste dix euh, mois qu'on l'a. Et, euh, et pour l'instant j'avais passé du temps à construire ça à construire l'autre abri à faire les enclos donc, euh, donc voilà, je ne peux pas tout faire d'un coup et ça va venir petit à petit ici j'ai commencé du coup à remettre de la consoude et puis euh, j'avais des arbousiers, donc euh, je suis venu mettre euh, des arbousiers euh, sur, les, sur les trois zones ici et euh, encore euh, de l'absinthe donc là, pomme de terre et puis sinon après dans les bacs de culture ici ben on a de, de tout donc on a euh, des courgettes au milieu avec euh, des haricots sur les côté on a de la tomate on a un peu de salade ici c'est pareil euh, courgettes, euh, tomates, salade, haricots là pareil, courgettes, tomates, salade. ici on était sur euh, oignons et carottes donc là je viens... Je viens juste d'éclaircir mes, mes rangs de carottes. Donc, du coup, bah pareil, quand j'éclaircis, après le reste, je le prends et puis je m'en sers en, en paillage. Donc là, ça vient juste d'être éclairci. Là, on a euh, des betteraves. Et puis, je vais faire un rang de, de navet à côté. Ici, on est encore sur euh, oignons, carottes. Et puis euh, le reste, sinon, bah, c'est encore euh, tomates, salade, euh, haricots. Là-bas, c'est pareil. Là, c'est euh, pareil courgettes, tomates. Ici, on est sur courgettes, tomates. Là-bas, je viens de créer une nouvelle zone qui est remplie de poireaux. Et puis, j'ai refait euh, trois rangs de carottes. Et je vais continuer les zones euh, ici. Et puis, après, il restait euh, l'octogone. Donc on a de la salade. Donc là avec le coup de chaud, elles sont en train de monter. Donc il y en a une partie, euh, je vais les enlever. Il y a une partie que je vais laisser pour euh, faire de la semence. Et puis voilà. Ben sinon on continue quand même à, à récolter un peu les feuilles. Mais c'est vrai que quand elles commencent à monter, elle a un petit peu moins bon goût, la salade. On a quelques courgettes dedans. Et puis ici, on a de la betterave. Donc là, ben, on a commencé à récolter les betteraves sur cette zone donc euh, jusqu'à maintenant les feuilles et les fans euh, je les laissais à même le sol pour couvrir et puis en fait euh, j'ai réalisé qu'on pouvait les consommer c'est vrai que nous on ne le fait jamais parce qu'en fait on a, on a les bêtes à cardes mais, euh, mais sur les betteraves bah, on peut aussi euh, consommer euh, bah, les cardes et les feuilles donc euh, à partir de maintenant on va, on va tester ça et sinon bah, du coup voilà il y a des betteraves où elles sont belles c'est des betteraves euh, rouges et blanches. Elles sont réelles, elles sont euh, super bonnes, elles cuisent hyper vite. Euh, donc vraiment, c'est une super variété. J'ai vu que là, j'en avais une qui était en train de monter euh, à graines. Alors euh, la betterave, elle est déjà euh, vraiment costaud, donc les graines seront intéressantes à, à récupérer. C'est comme pour les salades. Hein. Si les salades, elles ont pas paumé, ben, je récupère jamais les semences. Par contre, si j'ai eu des énormes salades qui étaient vraiment magnifiques. Et qu'elles monte à graines. Alors à ce moment-là, je récupère les semences parce que les semences, ben, seront intéressantes. Donc, ce qui est le cas de ces salades, hein, elles sont juste énormes. Et du coup, là, je suis sûr que les semences seront super intéressantes à récupérer. Voilà pour ce qui est de de toute cette partie potagère. Et puis là, je suis en train de faire des trucs, mais je peux pas trop vous montrer pour l'instant. Mais bien sûr, je vous en reparlerai bientôt. Euh, si, il y a une ligne que je ne vous ai pas montrée. Et comme ça, en plus, ça va me permettre de vous parler d'un sujet, une question qui revient souvent. J'ai encore une ligne ici. Donc euh, là, c'est juste une ligne d'arbres. Et ce sont juste euh, des, des amandiers. Donc euh, qui sont là. Il y en a cinq. Et euh, ils, sont, euh, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont super beaux. Et ils poussent euh, dans le foin. Ils poussent dans l'herbe. Alors ça, ça me permet d'aller de, de, sur une question qu'on me pose souvent c'est de savoir pourquoi est-ce que je tonds euh, mes zones comme ça pourquoi est-ce que je tiens euh, tout, tout propre comme ça il y a plein de raisons la première raison c'est euh, que la tonte, j'en ai besoin je récupère énormément de tonte que la mairie euh, me dépose ici mais c'est de la tonte qui va vite fermenter parce qu'il y en a des énormes quantités et du coup, euh, cette tonte, je ne peux pas m'en servir pour venir la mettre euh, vraiment euh, collée contre mes plans parce que bah, sinon je risque de les, de les griller. Donc ce que je fais, c'est que la tonte qui commence à fermenter, etc., je m'en sers vraiment pour coucher le gros des zones. Et la tonte que je récupère quand je passe la tondeuse, je m'en sers pour venir mettre vraiment proche de mes plans, autour de mes plans, pour garder l'humidité. La deuxième raison... C'est que euh, dans le coin ici, ça fait euh, plusieurs années qu'il qu y a des grosses sécheresses. Hein, je peux parler de ça parce que notre maison elle est juste à côté en fait du terrain. On n'est juste pas dans le même département, mais c'est à côté. Et on prend des grosses sécheresses et il euh, y a régulièrement des départs de feu. Le foin comme ça, quand il est euh, vraiment bien sec, hein, quand on va être en juillet, août, euh, ça peut très très vite brûler. Donc. Je passe la tondeuse vraiment bien autour de mes bâtiments, euh, autour de mes lignes de culture, autour de mes fruitiers. Je garde toujours euh, des zones de façon à ce que euh, je, je puisse préserver. Bah, si jamais il y avait un feu qui se déclenche ou quoi que ce soit, je vais être sûr de pouvoir euh, préserver mes, mes bâtiments, de pouvoir préserver mes zones de culture, etc. Et puis, euh, la dernière raison, c'est que. Euh, si j'essayais de faire pousser de la carotte au milieu de ça, ça serait juste impossible. Si euh, je viens mettre un pied de courgette au milieu de ça, il va se faire étouffer en fait. Automatiquement, je suis obligé d'essayer de cultiver dans des zones un peu claires. Et, euh, et moi, ben quand elles sont bien tendues comme ça, je trouve ça euh, beaucoup plus pratique. Si l'herbe était haute... À force de marcher dessus, je pourrais, hein, je vais la coucher. Mais après, quand il va pleuvoir ou quoi que ce soit, ça devient glissant pour passer avec la brouette, c'est pas du tout pratique. Je l'ai déjà fait, hein, donc je. moi ça me plaît pas en tous les cas. Il y a peut-être des gens à qui ça convient parfaitement. Moi, euh, je circule tout le temps dans mes allées, je suis quasiment tout le temps avec ma brouette. J'ai déjà fait euh, le test de laisser euh, l'herbe haute dans les allées, et vraiment, je trouve pas ça du tout agréable. Ça me fait perdre énormément de temps et je préfère la solution de tondre sachant que dans quelques années quand mes arbres fruitiers par exemple ils vont avoir poussé quand les arbres que je vais planter ici ils vont avoir poussé eh bien l'herbe qui est dessous va moins, moins vite pousser euh, mes allées elles vont se réduire c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois je recrée des zones de façon à avoir des allées les plus petites possibles les plus réduites possibles là maintenant mes allées c'est juste un passage de, de brouette et donc je vais commencer à avoir moins besoin de tondre je vais commencer à avoir moins besoin d'entretenir là il faut bien garder euh, dans l'esprit qu'il euh, y a un an ici c'était entièrement une prairie euh, il y avait du foin à 1 mètre de haut et c'est la seule chose qu'il y avait donc pour l'instant si je ne veux pas me laisser déborder eh bien, je suis obligé de faire comme ça alors il y a peut-être des gens qui font autrement, euh, moi c'est pas le premier terrain que j'ai, c'est pas euh, la première fois que je fais ce genre de choses, j'ai déjà essayé en laissant l'herbe pousser dans les allées et vraiment je m'en sortais pas, je trouvais pas ça agréable, donc euh, eh bien maintenant je fais comme ça.